Le stade nautique Lensois a littéralement sorti la tête de l'eau. L'année dernière, il ne comptait encore qu'une vingtaine de licenciés après la fermeture de l'ancienne piscine en 2018. Mais avec l'arrivée du complexe Aqualens, le club accueille depuis septembre près de 200 nageurs. On profite ici du bassin compétition, le bassin de 50 mètres, qui est une des raretés dans la région, parce qu'un bassin de 50 mètres dans la région, on n'en a pas beaucoup. Et ce bassin est d'une importance, c'est qu'il est modulable. En bassin de 25 mètres, ça veut dire que pour les compétitions, nous serons en capacité de recevoir des compétitions 25 et 50 mètres avec des chronométrages automatiques. Pour l'heure, le staff se prépare à recevoir, mais aussi à participer aux compétitions avec l'encadrement de 6 maîtres nageurs et des exercices bien rythmés, adaptés aux jeunes et aux élites. Ils seront sur une période de stage, donc ils ont nagé ce matin 7 km, ils vont renager ce soir 3 km. Et on alterne séance aéro, volume, et avec des séances de vitesse le soir. Mais tes jambes vont. Hop. Là, c'est beaucoup sur la technique, aspect technique, les consignes et tout ça, ils ont un peu de mal. Après, niveau du long aussi, faire du volume. Objectif pour l'équipe garçon cette année, accéder au top 8 régional. En attendant, 40 nageurs participeront aux interclubs de la Madeleine en novembre. Certains d'entre eux ont pu bénéficier, pour leur inscription ici, du passeport de l'agglo. Il faut savoir que nous sommes actuellement avec un taux de 111 licenciés de moins de 18 ans. Et sur les 111 licenciés, nous avons 60 passeports de la cale. L'adhésion, tout compris, pour un compétiteur qui va s'entraîner 3 à 5 fois par semaine est de 230 euros. Soit 200 euros seulement pour un an. De quoi être amené, pourquoi pas, à tutoyer les sommets comme Jacques et Mathis. Je suis champion départemental régional et troisième au national de 100 papillons. Après, moi, je veux dire que c'est un peu comme un don. J'ai toujours su nager le papillon. Je nage dans la catégorie 65-69 ans. Et l'an dernier, j'ai fait 7e ou 100 mètres d'eau à Rome, pour venir à l'Europe. Pour imiter leur parcours, des séances d'entraînement sont proposées tous les jours à Aqualens. La piscine ouvre ses portes au public de 10h à 20h.